Vu de l'extérieur, c'est une journée ordinaire pour cette enseigne de McDonald's, mais à l'intérieur, c'est jour de fête. Dernier briefing du directeur général avant le lancement d'une opération très importante. Nous avons dans tous nos restaurants des activités pour récolter des fonds pour l'école de la deuxième chance, pour l'emploi jeune et aussi pour le Guadeloupe Espoir Drépanocytose, pour lutter contre la drépanocytose. Nous espérons avoir beaucoup de personnes dans les restaurants. On a fait pas mal de communications dans les réseaux sociaux, à la télé, la radio. C'est vraiment pour qu'on puisse donner un gros chèque pour ces deux organismes importants. Les responsables des deux associations ont répondu présents et une fois l'accord signé, le décompte peut commencer. Pour chaque Big Mac vendu, les fonds leur seront reversés. Cette cliente est venue spécialement pour l'opération. J'étais au courant de l'opération. Je suis venue justement, je suis drépanocytaire, donc je suis venue soutenir l'association aussi. Mais bon, c'est quand même nous, ça nous concerne. Les célèbres hamburgers avaient une saveur différente ce week-end, celle de la solidarité.